Allez, ça tout le monde, c'est Tazric Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus. J'espère que vous allez bien, pour ma part les amis, je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11, souvenez-vous dans l'épisode précédent, dans l'épisode 10, un épisode qui était de base censé être pour des quêtes secondaires, mais finalement pas du tout, parce que, souvenez-vous, on avait du coup, on avait parlé à Camillo, je crois, ou Camillia, je sais pas comment on dit. Et on avait du coup fait la rencontre de deux personnes, au cas où, du groupe Diamant et Perle, Amadatin, il me semble, et Risa, ou je sais plus comment elle s'appelle exactement. Et donc du coup, en fait, c'est genre de deux divinités, enfin de deux trucs, enfin genre de deux clans, qui du coup croient, on va dire, au Grand Sinnoh, mais chacun a son avis là-dessus. Et en fait, du coup, il y a un écateur qui pose des gros soucis, et donc du coup, qui est même à attaquer des gens. Donc du coup, bah, il faut impérativement aller le combattre, et ça se passe derrière la faille spatio-temporelle. Donc du coup, bah, on doit se rendre dans la forêt lointaine, et du coup, bah, tenter de tout simplement d'attraper, ou en tout cas, oui, de l'attraper, ça serait bien, l'écateur, voilà, donc on verra un petit peu ce qui se passe, mais avant, aujourd'hui, c'est épisode spécial quête secondaire, les amis, parce que j'aimerais bien quand même en faire pas mal. Et donc, du coup, bah, on va déjà en rendre quelques-unes, hein, qu'on a avons déjà terminées. Donc, déjà, il y en a une qu'on peut rendre ici. Donc, on va aller directement voir la personne. Donc, bah, c'est elle, justement. J'espère que ça pourra bien aller. Oh, tu as un racaillou, accepterais-tu de m'en délester? Ça serait un bien urbain. Alors, du coup, non, c'est pas ici. Il est où, il est là, le racaillou. Sélection. Voulez-vous vraiment donner ce Pokémon? Oui, bah oui, j'ai pas le choix. Ça alors, regarde-moi ça. Il ressemble à s'y méprendre à une pierre. Et son poids est idéal. Il est idéal, parfait. Il est parfait. Merci du fond du cœur. Mes préparations seront plus délicieuses que jamais. Et c'est grâce à toi. Et voilà. Caillou. Mission secondaire 12. Un poids parfait pour préparation en pot. Cela, du coup, nous a donné 3 appâts qui brillent. Et un bonbon XPS. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Qu'est-ce que c'est les... Non, c'est pas ici, c'est ici. C'est quoi ça? Bonbon plein d'énergie, il permet à un Pokémon de gagner un peu de points d'XP. Ok, pourquoi pas. Du coup, ben, ok, c'est accompli. On va aller voir du coup ce qu'on peut faire d'autre. On doit parler sur toi des gens. Donc, voilà. Donc, on doit aller du coup dans secondaire. Voilà, donc dans secondaire. Et on va du coup tenter. Alors, la poubelle, on ne peut pas la faire pour le moment parce que je ne sais pas où il y a du bois actuellement. Imagine, ça sera à taper un arbre avec un Pokémon spécial. Peut-être justement un racaillou. J'imagine bien, je voudrais bien un racaillou faire ça. Alors, du coup, montrer la page. Donc, Krixi, Seriflore, complet. Parler Izu. Non, Izuis. Donc, on va tenter de parler Izuis. C'est à côté. Donc, non, c'est pas ici, c'est là-bas. Donc, on va. Ah, bah, elle est vraiment, c'est elle en plus. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'elle veut. Enchanté, je suis Izuis et je fais partie du corps... Izuis, je sais pas comment on dit, Izuis peut-être. Je fais partie du groupe Corps de la Défense. Dis, est-ce que tu voudrais bien capturer un Nosferati pour me le montrer s'il te plaît? J'en ai déjà un. Pourquoi? Tu dis, eh ben c'est très simple, les Nosferati sont capables de parfaitement se repérer dans le noir. C'est bien connu. Or, c'est une capacité qui me serait infiniment utile lorsque je suis de garde la nuit. C'est pourquoi j'aimerais avoir un Nosferati de mes propres yeux afin de l'étudier de plus près. Dès que tu auras capturé un Nosferapti, viens vite me le montrer. Ok, bah, tu as un Nosferapti à me montrer? Oui, il y en a un. Ah, du coup, on est en train de donner tous nos Pokémon. Casse les couilles. Casse les couilles. Bien, examinons ses yeux. Bon, il n'a pas de yeux, c'est ça le problème. Oh, ils sont où ses yeux? Hein? Il en a pas? Cela voudrait donc dire qu'il n'utilise pas la vue pour se déplacer dans le noir? Je vois, il utiliserait donc un autre sens secret pour pallier son absence de globe oculaire. Peut-être les claquements, enfin, je sais que les... Je crois que c'est les dauphins qu'ils utilisent des... Et les chauves-souris, il me semble, ben, je crois, justement, des chauves-souris. Je crois qu'ils utilisent leur langue ou leur voix, je crois qu'ils font un... Enfin, un genre de truc comme ça, mais qu'on n'entend pas nous, hein, mais que, du coup, eux permettent de se repérer, du coup, parce que, en fait, ça tape sur les... tu voyez, ça tape sur les murs, ça tape sur les trucs, donc, du coup, même au loin, ça tape sur un truc, et donc, du coup, en fait, ils peuvent savoir leur sens. Et voir les obstacles, et éviter les obstacles. Voilà, qui ne m'avance pas beaucoup. Moi qui espérais d'apprendre quelque chose d'utile pour mes gardes de nuit en observant ses yeux, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Garde-le. Devenez partenaire. Demande-lui de l'aide. Devenez partenaire.
Mais oui, bien sûr, quel excellent conseil. Je m'étais mis en tête de m'occuper de la garde de nuit toute seule, mais il n'y a pas de mal à demander un peu d'aide extérieure parfois. Sur ce, je vais m'empresser de rechercher un Nosferapti qui acceptera d'être mon partenaire. Mission secondaire 9, la vision nocturne de Nosferapti. Cela m'a donné deux offensives extra. Deux offensives extra? C'est-à-dire, comment ça? Comment ça, deux offensives extra? Augmente beaucoup la puissance d'observation d'un Pokémon pendant un combat. L'effet dissipera si le Pokémon est retiré. Ok, bon, ben, ok. Non. Du coup, on va tenter de voir s'il n'y a pas d'autres quêtes secondaires. Parler, avis, une mission pour vous. Donc, ça, pour le moment, je peux pas le faire. Ça, il me faut un grand Pokémon. Enfin, un grand Mustu Bué. Donc, je peux pas le faire. Parler à Vigie et où ça? Donc, on va tenter de faire un trio de Quenotor retour. De l'autre côté. Ok. Les amis, c'est parti. Oh, mais en fait, je confonds. Non, en fait, c'est là-bas. En fait, la carte est un peu bizarre, je trouve. Ça me perturbe, en fait, comme c'est. Honnêtement, ça me perturbe trop. Donc, ouais, on fait quelques petites quêtes secondaires. Hein, petit épisode assez spécial. On peut pas les récupérer. À mon avis, il y aura certainement un truc qui permet de récupérer des. Ah, peut-être pas une hache, mais vraiment, je verrais bien un Pokémon utile. Ouais, alors, genre Dracaillou qui, par exemple, une fois que tu l'as mis sur un arbre, qui fonce sur l'arbre et qui fait tomber des bûches de bois, vous voyez, ou carrément qui casse l'arbre. C'est que Notor Rotor. Enfin, Retour. Rotor. J'ai entendu dire que tu avais capturé trois espèces de Pokémon différentes pendant l'épreuve. C'est vrai ça? Dans ce cas, tu es la personne qu'il me faut, en fait. J'aurai une quête à te conf. Tra, encore des que Notor. Qu'ils sont pénibles alors. On va vraiment devoir les affronter. Je détourne de regard une seconde et ces petits galopins en profitent pour se faufiler dans le village. Je ne me suis pas vraiment fichu de protéger le village des canailleries de trois malheureux Pokémon. Je ne mérite pas de faire partie du corps de la défense. Si la chef Belial savait. Bon, calme-toi, Vigie. Rien ne sert de se morfondre. Il suffit de capturer ces trois fripons et tout rentrera dans l'ordre. Mais on ne parle pas d'un ni de deux, mais de trois que Notor. Comment vais-je faire pour tous les capturer toutes seules? Oh, j'ai une idée! On m'a rapporté que ces trois filous auraient tendance à baisser leur garde en présence d'autres Quenotor. Donc si tu amènes un Quenotor pour les distraire, je pourrais les capturer et hop, problème réglé. J'aimerais que tu m'assistes dans la capture de ces trois garnements. On recherche les Quenotor qui ont infiltré le village à l'aide de votre propre Quenotor. Encore trois Quenotor à trouver. Ah! Bon, du coup... Viens. Parlez. Il est trop beau. En fait, le problème, c'est que... En fait, je vois pas comment... Tout d'abord, il va falloir réussir à mettre la main sur ces Quenotor auto. Ok. Si tu as un autre Quenotor à tes côtés, cela devrait les amener à baisser leur garde. Oui, je les ai... Ah, mais... Ah, vraiment, ils sont directement dans le village. Oh là là, donc c'est à la recherche des Quenotor oubliés, quoi. Des reconnaisseurs perdus. Alors, du coup, bah, il faut les trouver. À mon avis, ils sont. Alors, et non, ça c'est le mien, mais ils sont dans des endroits. À mon avis, ils sont dans des endroits bien stratégiques, hein, bien planqués. Bah, regardez, bien planqués. Donc, attendez. Même pas besoin. Je fais ça. Grignote. Oh, c'est tout mignon. Du coup, on va pouvoir le capturer. Ah, bah, elle a fait. Et hop, grâce à toi et à ton Quenotor, cette capture était un succès. Allez, the last two. Donc, à mon avis, hein, ils sont à l'opposé. J'imagine pas qu'ils sont à côté. Donc, moi, je pars du principe qu'ils sont vraiment à l'opposé à chaque fois. Hein. Faut juste regarder un petit peu de partout, mais... A mon avis, ils sont à l'opposé, vous voyez, ça peut être dans des cachettes comme ça. Je vous promets que je me suis pas spoil, hein. Promets, je vous promets que je me suis pas spoil. Grignote. Coucou. Il est magnifique. Il est vraiment trop magnifique. Allez, go. Et hop, grâce à toi et à ton Quenotor, cette capture est un tel succès. Allez, il n'en manque plus qu'un, donc à mon avis, il sera assez loin aussi. Honnêtement, je le vois bien encore planqué au fond là-bas, peut-être à droite. Parce que là, c'est trop près encore. Je trouve ça vraiment trop près. Donc, ouais, c'est bien ça. Donc, on va vérifier. Ça peut être derrière aussi. Hein. Ça peut être derrière de partout. Donc,
Il n'y a pas de queue de tort, mais vous voyez, derrière ça, non, il n'y a pas de queue de tort. Ok, ben on va tenter de chercher ailleurs. Alors à mon avis, il n'y a rien. Là, ils étaient qu'à droite pour le moment, donc à mon avis, il sera peut-être derrière la maison. Honnêtement, ouais, peut-être, c'est possible, hein. Moi, je les aurais mis là. C'est un espace qu'on vérifie pas souvent, on croirait pas comme ça, mais peut-être derrière, hein. Même pas. Ah, honnêtement, j'aurais cru. J'y aurais cru, honnêtement. Alors, peut-être à gauche. Non, même pas. Merci grandement. D'amulettes. Vendre des amulettes aux effets bénéfiques. Remercierons ensemble notre statuette gardienne, grande protectrice de notre chère rusticité. Dis-moi, quel est ton souhait? Et je te proposerai une amulette à te réaliser. Une amulette. De plus perdre. De plus d'endurance et un mental d'acier. Ne plus perdre d'objets. Je vois donc. Oh putain, bah, ça sera pour plus tard. Hein. Non, 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 rien de particulier. Bah, ça sera pour plus tard. Merci. Alors, il faut les trouver ces queues notor. Hein. Enfin, il en manque plus qu'un, mais. Moi, je verrais bien aussi derrière là. Sérieusement? Peut-être derrière une maison, mais non, là c'est trop proche de la quête. Je le verrai pas proche de la quête. Je le verrai vraiment assez loin. On l'a trouvé. Ben, on l'a trouvé. Involontairement, mais on l'a trouvé. Cagnotte. C'est trop magnifique. Allez, attrape là. Enfin, attrape-le. Ou peut-être là, hein, peut-être ou une Yel. Et hop, grâce à toi et à ton connoteur, cette capture était un succès. Et voilà, qui fait 3, c'est bon, on a attrapé tous les petits chenapans. Merci pour ton aide. Maintenant, il ne te reste plus qu'à les relâcher hors du village. Attendez! Ne les relâchez pas, je vais les prendre sur mon aile. Le corps des bâtisseurs se porte désormais garant de ces 3 connoteurs. Hein? Vous voulez les garder? Mais ils ont causé tant de dégâts à vos bâtisses. Ce n'est pas comme si les Pokémon pouvaient connaître ou comprendre les règles du village. Donc soyons indulgents envers eux. Et de plus, on peut vraiment dire qu'ils ont de bon goût. Ils aiment grignoter de nos constructions. Par contre, ils nous les gardent. Ah, c'est peut-être grâce à eux alors. Peut-être qu'on va avoir du bois. Par contre, si nous les gardons au village, ils devront apprendre à se rendre utiles. Leurs tentatives d'évasion répétées montrent qu'ils ne manquent pas de cran. Et leurs incisives solides peuvent tailler du bois. Et de la roche. Utiliser à bon escient ces qualités peuvent être infiniment utiles pour nos travaux. Qu'en pensez-vous, les petites terreurs? Vous voulez venir travailler avec nous? Je vous garantis que vos repas n'en seront que meilleurs. Voilà la réponse que j'attendais. Bien. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire confiance à de pareilles canailles. Mais si c'est Melly qui les surveille, je suis sûr qu'ils se tiendront à carreau. Et enfin bref, voilà qui conclut l'épisode des Queunotor Rotor. Encore merci pour ton aide. Un trio de Queunotor Rotor. Terminé, mission secondaire 8. Un super bonbon. Ah. Oh mon ami, comment vas-tu? Père Subtio, encore une fois. Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Vous recevez 3 super potions. Super potion, une pommade qui soigne les blessures, restaure 100 points de vie d'un Pokémon. Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. Ces ruines à explorer, ok. Bon, c'était pas volontaire, hein, que ça a enclenché le truc. Bon, du coup, on a fait minimum un peu de principal involontairement. En revanche, par contre, du coup, j'aimerais bien savoir en termes de tâches pour les Queunotor. Enquêter sur les Queunotor. Ah, d'accord, en fait, c'est des quêtes secondaires. Les trucs enquêter ou quoi. Ok, donc, en fait, quand il y a marqué, voilà, ça, normalement, procéder. Voilà, à mon avis, ça sera un truc pour une quête secondaire, j'imagine. Ok. Bon, bah, tant mieux. Par contre, ok, spécimen que vous avez fait évoluer. Vous avez fait évoluer 3, what the fuck. Bon, ben tant mieux. du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de quête secondaire? En termes de quête secondaire, fabriquer une poupée. Problème, c'est que j'ai pas de bois. Mais on va voir si on peut tenter. Nani, il y a une mission pour vous.
accéder à votre boîte à outils. Prenez des photos. Laissez vos Pokémon. Boutique. Achetez des couleurs. Changez de coupe ou de couleur de cheveux. Achetez ou vendez des objets. Achetez des vêtements. Et des tenues. L'ardi gourmand. Achetez des. Ok, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien pouvoir acheter du bois en fait. Je sais pas où ça s'achète. Ok, on peut. Bienvenue de revoir. Ah oui, j'avais oublié. J'ai un code à mettre. Parce que de base, en fait, il est censé avoir un costume avec des bonus de précommande. Et la fête, je l'ai pas reçu. Du coup, j'ai appelé la Fnac. Et en fait, la Fnac, ils m'ont donné via mon truc. Donc, je vais aller voir. On le mettra à la fin de l'épisode, hein, je vous le dis. Donc, voilà. Hop, il faut pas que je l'oublie. Voilà, il est là. Ah merde, mais par contre, j'ai plus de batterie. Donc, je vais rester sur cette page et je vais éteindre mon téléphone. Parce que du coup, j'ai que 3% de batterie, donc super quoi. Du coup, ok, bon, on va pas changer notre coupe. Honnêtement, j'aime beaucoup ma coupe actuelle. Ah, attendez, peut-être, je sais pas. Non, on va laisser notre coupe actuelle, j'aime beaucoup. Enfin, on le fera quand on le fera, mais voilà quoi. Ok, c'est là-bas. Bah attendez, on va voir un petit truc. On va tenter un petit truc. Kunotor, ding. Non, il veut pas manger du bois. Bon, j'ai dit peut-être il aurait pris du bois avec, mais pas du tout. Alors peut-être il le fait pas pendant le dedans un village. Il le fait peut-être en dehors. Donc on verra en dehors s'il y a quoi que ce soit. Alors, merci d'avoir accepté de m'aider à régler mes problèmes de beau drive. Quel soulagement. Laisse-moi t'expliquer la situation. Il semblerait qu'un beau drive joue tous les soirs avec des enfants sur la plage. Premier pas. Cela ne me plaît vraiment pas que ces Pokémon jouent à la sorte avec des êtres humains. Ils pourraient les attaquer. Le corps de la défense est donc précipité pour vérifier que tout allait bien. Heureusement, aucun enfant n'a été blessé, mais ils disent que aussi d'avoir vu aucun beau drive. Toutefois, plusieurs personnes du village affirment avoir vu ce beau drive, donc on ne peut pas se permettre d'ignorer le problème. Je sais que le corps des chercheurs est le mieux placé pour enquêter sur ce genre d'affaires. Je compte sur toi pour tirer au clair cette histoire de beau drive qui joue avec des enfants. Enquêter sur le beau drive qui joue avec des enfants le soir sur la plage premier pas. Donc le soir, c'est précisé le soir, donc à mon avis il faudra dormir. Et en fait, beau drive, comment ça la plage beau drive ça, j'imagine ça existe, mais attendez, la quête, enfin la carte. Ah, je panique. Non. Je panique. Hop. Oh putain, je panique. Oh, c'est vraiment la merde au niveau ce système de cartes. Hein. Alors, beau drive. Pour le moment, je n'ai pas la plage pour drive. Une plage, à mon avis, c'est ça. Donc, et avec du sable, logiquement. Donc, il faut trouver un endroit avec du sable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sable, quoi. 0,8, donc non. Hein. Toi, il te faut un poids lourd, donc. Donc, on fera quand. On le fera quand on le fera. Parce qu'en fait, quand on va là-bas, en fait, on va où? Pourquoi il y a un gros truc là? Ah, mais c'est là où on avait capturé nos 3 premiers Pokémon, il me semble, non? Voilà, bah oui. C'était ici qu'on avait capturé nos 3 premiers Pokémon. Et après, du coup, on était atterri à la ville ici. Pourquoi pas? Bon. On va se rendre à la porte principale. Par contre, avant toute chose, on va déposer. Non, on va quand même déposer des choses là-dedans. J'aimerais bien. Alors, par contre, ça serait bien de. Vu qu'on a des boîtes, il faudrait respecter le rangement. Donc, on va tenter de ranger un petit peu. Merde. Tout déplacé. 3. Donc, on va tenter de respecter un rangement. Tout ce qui est. Pokémon, donc ça c'est les potions, les trucs qui augmentent l'XP, on va le mettre boîte numéro 6, voilà, donc ça veut dire qu'on va mettre, voilà, ça. Il y a aussi le super, un bon ballon d'énergie qui permet à un Pokémon de monter de niveau, donc non, mais par contre si on va quand même le mettre, allez, merde, tout déplacer, 1, ok. Ensuite, on va mettre le super bonbon. Vu que ça concerne tout ce qui est XP et tout ça. Parce que ça permet de monter le niveau d'un effroi d'un Pokémon. S'il est inférieur à 3. Donc tout ce qui est montée de niveau, on va le mettre là. Ok.
Quel nom? Oh, on peut nommer la boîte? Ok. On peut nommer la boîte. Ah bah c'est parfait ça. Ça va bien m'aider. Donc on va merde, non, je vais déplacer. Donc ça permet de monter de niveau. On va directement nommer cette boîte on va dire ressources d'XP. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ressources. Je crois que ça prend pas deux S, mais bon, je suis pas fort en orthographe de base. Expérience. X. P. Par contre, j'aimerais bien trouver un E. Voilà, expérience. Expérience. Merci. Boîte numéro 5, bon, on verra. Boîte numéro. Alors là, du coup, c'est. Ici, c'est des ressources craft, on va dire. Donc, tout ce qui est ressources craft, c'est ici. Tac. Ensuite, ça, ressources craft aussi. Donc, les minerais, on va les mettre là. Les galets, on va les mettre en haut, là. Donc, on va les mettre là. Noix-grumes. Ok, tout ce qui est tout ce qui est grume, parce que j'imagine que ça on peut en crafter, on peut en faire des choses. Bah oui, on peut en faire des choses logiquement. Donc tout ce qui est voilà, comme des trucs les baies, on va les mettre là. Baies et matériaux, je vais marquer. Tac. En fait, je fais des conneries parce que je peux faire ça comme ça. Ça comme ça, ça sera mieux. Hop, ça c'est tout ce qui est effet. Ok, ensuite bien le cabri ici, de la couleur particulière. Nanana, donc ok, noix grume. Ok, ensuite lancez-le, ça peut ralentir ses mouvements et le voir invulnérable. Ok, une baie. Noix grume, rongée. B, B, ok. Ça, c'est la B, donc les B vont ici. Ensuite, on va tenter de mettre la boule de boue. La boule de boue, c'est ici. Ressous. Alors, ensuite, on va mettre les bourgeons vivaces. Les bourgeons vivaces. Ici, on va mettre tout ce qui est plante, en fait. Voilà, on va mettre tout ce qui est plante. Donc, plante PP. Plante PP et du coup bourgeon vivace ressources, ok. Ensuite ça c'est tout ce qui est craft, donc les plantes ils vont aller là et du coup ça va aller là, donc tout ce qui est statistique, on va dire statistique, on va dire. Ensuite pierre d'appel. Donc ça c'est des trucs intéressants pour les Pokémon. Ça j'ai marqué. On va dire peut-être potion. Je sais pas comment je vais le nommer, mais de miel qui brille d'une bien. Ok, d'une couleur. C'est une ressource. C'est de base comme une plante, donc on peut le mettre là. Ça c'est tout ce qui est vente. Enfin. Qu'on peut vendre, donc on va le mettre dans là. Donc on va mettre, on va dire objet vendable. Vendable. Je sais pas, ça, bon, je pense pas que ça existe, mais bon, on invente des termes vendables pour se comprendre. Ensuite, boîte numéro 3, fleur herboriste. Voilà, herboriste. Herboriste. Ça fait très World of Warcraft, hein. Alors c'est vrai qu'on doit s'arrêter les amis, mais bon, voilà. Mais bon, on trie, hein, c'est le moment qu'il faut un peu trier. Donc là c'est matériaux, donc matériaux, matériaux, merde, yo, hop, et confection.
Je sais pas si elle va entrer parce que le mot confection il est grand de base. Hein. Con. Confection. Putain, ça rentre. Ça rentre. Matériaux, confection. Voilà. Ensuite, ici, ça sera tout ce qui est. Par contre, au niveau des Pokéballs, je sais pas où les mettre mes Pokéballs. Herboriste. Bah, alors, vu qu'on a. Ressources XP. Vu qu'on a une boîte numéro 4, on va peut-être mettre. Je sais pas. On va peut-être mettre. Pokéball. Voilà, on va dire Pokéballs. Voilà. Pokéballs. Là, ça fait très rappeler Diablo. Hein. Honnêtement, ce système de trucs. Ça, c'est. On va peut-être les mettre là, en fait, finalement. Les noix grumes, on les laisse là. Ça, on peut les laisser là. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est rappel. Ça, c'est potion. On va dire. Effet sur Pokémon, comment je pourrais dire effet bénéfique, effet de soin. Donc ça veut dire effet de soin. On peut dire prêtre, mais on va dire effet de soin. Enfin, soigneur, soignant. Comment on peut dire soigne dans un truc qui soigne. Hôpital, peut-être. Ouais, c'est genre au truc d'hôpital. Pharmacie, voilà, j'ai trouvé. Pharmacie. Pharmacie. Boîte à soins, mais bon, pharmacie. Voilà, comme ça on a la puissance facile d'un Pokémon pendant le combat, l'effet dissipation augmente beaucoup. Donc pharmacie, donc c'est pas ça. Par contre, ça on peut mettre en ressources expérience. On peut le mettre là-dedans, à mon avis. Parce que c'est tout ce qui est herbo. Donc voilà. Ce plan très épicé, riche une confection d'objets qui restaure. Pour la confection d'objets qui restaure les PP. Donc, ça, c'est un truc qui permet de restaurer des trucs. L'appel. Il veut dire si vous le lancez. Ok, bon. Voilà. Donc, logiquement, nous avons toutes nos boîtes qui sont renommées. Voilà. Donc, on a la boîte. Alors, de base, la première boîte, c'est la boîte de soins. Donc, c'est la boîte pharmacie. Après, nous avons la boîte matériaux confection. Nous avons la boîte herboriste. Nous avons la boîte Pokéballs et la boîte vendable. Et la boîte ressources expérience. Je pense que, honnêtement, j'aimerais bien peut-être encore ranger. Par exemple, ranger peut-être la boule de boue. Ça, honnêtement, on va du coup tenter de la déplacer. Enfin, du coup, on va tenter de la ranger là-dedans. On va peut-être ranger au moins 3 Mass Balls, honnêtement. Bon, ça, je vais laisser de côté. Donc, on va peut-être. On va pas rentre les ranger. Là-dedans, voilà, donc ça sera beaucoup plus propre. Ensuite, ça, on peut mettre ça là. Ensuite, on va peut-être mettre quelques potions, pas tout, mais genre voilà, 3. Donc, on va les mettre là-dedans. Voilà, c'est parfait, c'est déjà mis automatiquement. Mélanger du miel et attirer fortement les Pokémon pareil à des insectes. C'est pas attirer fortement les Pokémon pareil à des insectes ou à des fées. Ok, donc ça sera utilisé plus tard. Donc on va le mettre on va pas le mettre là-dedans, mais par contre vu que c'est tout ce qui est APA, donc APA on peut les mettre là en fait, hein, c'est un genre d'APA, donc boule de. Ouais, les boules de trucs et tout. Voilà, donc vendable. Et ensuite, bah écoutez, je trouve ça propre, on a un bon inventaire. On va peut-être ranger un petit peu plus, on va jamais utiliser maintenant le moing, ça sert à rien maintenant, vu que j'ai trouvé comment ranger ça de façon assez efficace. On va voir ça de façon efficace, voilà. Donc les Pokéballs en premier, les noix grumes en deuxième. Donc ça veut dire qu'on va faire ça comme ça. En fait, ça sera même mieux de faire ça comme ça, comme ça. On va mettre les galets en haut, voilà. Les noix grumes là, donc ça veut dire que en revanche les baies, on va tenter de les mettre le plus bas possible, là par exemple. Tout ce qui est soin, voilà, on va les mettre à un endroit où on ne les voit pas tellement. Donc on va mettre ça là. Et les potions, on va les laisser là. Voilà, bah, au moins on a une on va dire un inventaire un peu plus propre, quoi.
un petit peu plus propre, hein. Honnêtement, ça fait plaisir. Bon, vu qu'on va devoir s'arrêter là, on va quand même. Attendez, avant de s'arrêter là, vu qu'on va profiter, hein, vu que ça nous permettra, on va vite quand même vérifier ça. Déjà, même, on va quand même voir un petit peu. Bienvenue chez Art Capillaire. Qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui? Je veux une coupe de cheveux. Non, c'est trop cher ton truc. Mais bon, je voulais juste, oui, mettre des cheveux platine peut-être, mais bon, c'est pas très grave. Et on va tenter du coup de voir au niveau des confections d'objets ce qu'on peut faire. Donc on peut, ouais, donc ça, il faut du bois, évidemment, chose que je n'ai pas. Mais par contre, on peut faire peut-être des rappels, ouais, ou des potions. On peut peut-être faire des potions également. J'aimerais bien m'en faire au moins peut-être 10 supplémentaires, ce serait le top, voilà. Ça, on a 10 potions. J'aimerais bien peut-être un truc qui permet d'apprendre des super potions, ça serait le best. Ça, on va peut-être tenter d'en faire au moins une vingtaine à tout casser, voilà. Comme ça, on les a sur nous. Et en revanche, du coup. Les trucs d'appel, enfin les trucs. Attendez, tac, voilà. Non, je les ai pas sur moi. Qu'est-ce que j'ai merdé? Ah non, les potions, voilà. Les potions. Par contre, ouais, je pourrais peut-être avoir un rappel quand même. On va quand même tenter de. On va quand même tenter. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va peut-être tenter quand même d'avoir un petit. Voilà, deux, trois. Ouais, trois rappels sur nous, c'est important. Du coup, voilà. On se prépare pour les fois prochaines, comme ça, écoutez, comme ça, moi, la prochaine fois, on commence directement. On n'aura pas à faire ça pendant 1000 ans. En revanche, par contre, ça peut casser les couilles ici, donc on va le mettre le plus bas possible, là, le dernier slot. Parce que j'ai pas envie de le voir, en fait, surtout. Donc, voilà, j'ai juste envie de. Voilà, que ça soit bien rangé. Voilà, c'est. Je trouve ça mieux, honnêtement. Et je pense que ça, honnêtement, je peux même le mettre un peu plus bas. Comme ça, c'est bien, bien rangé. Au niveau de ce que tu peux enfin me du coup ce que tu peux me donner ce gros champignon comestible sachant qu'on doit en trouver un normalement mais bon je pense que attendez en fait j'ai pas compris il veut quoi la quête secondaire il veut quoi le mec précisément non secondaire à pâte ou mou donc du coup vous avez demandé à confier des ingrédients donc il en veut un. On va quand même l'acheter parce que je sais pas où ça se trouve exactement. De toute façon, on va bien en trouver un, mais voilà. À mon avis, c'est plutôt un temps de pluie, je pense. Il est peut-être possible qu'il pleuve. Voilà, donc on a le petit truc. Donc, ça, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais juste ranger un minimum. Parce que là, du coup, c'est chiant. Voilà. Non, en fait, finalement. Bon, après, c'est un objet de quête, donc il sera vite utilisé. Donc, les objets de quête, je vais les mettre à un endroit précis. Comme ça, au moins, c'est fait. Ensuite, ensuite. Maintenant, c'est tout le truc. On va voir ce qu'on peut faire au niveau des. Enfin, ce qu'on peut apprendre au niveau des plans. Au niveau des méthodes. Remède, attaque hybride, offensive, défensive, extra. Deux plantes répulsives, méthode pour remède. Pour remède. Un rayon de mec qui brille, une boule de tapate, offensive, extra. Ok, donc ça coûte cher quand même. Hein. Ouh, ça coûte cher. Hein. Bon, du coup, on va attendre un peu quand même. Ah, attendez, si, quand même, le petit remède. On va juste en acheter un. Hein, on va juste en acheter un, mais au moins, enfin, on va juste en acheter la confection remède. Ça peut attendre, mais remède. Oui, bah oui. Hein. Vous avez acheté la méthode pour remède. Voilà, donc logiquement. Du coup, logiquement, maintenant, je peux faire un remède. Voilà, c'est ça, le petit remède. Permet de restaurer 60 ouais, plantes répulsives. Comme ça, on l'a. Et puis voilà. Bon. Allez, on va aller voir du coup au niveau de la quête secondaire, donc on va quitter le village, on va aller voir du coup la lavande, et après on s'arrêtera là, voilà. On s'arrêtera là. Je pense que ça peut être une très très bonne idée. Et du coup, tu sors du village, fais attention à toi, donc oui. Ah oui, par contre j'aurais pu me TP au milieu en fait, je suis un peu con. J'aurais pu me TP au milieu. Mais soi-disant, attendez, il n'y avait pas un truc où on pouvait. Ah, en fait, c'était juste une blague en fait qu'on pouvait monter dessus en fait. C'était juste une blague. Par contre, c'est qui voulait le chapiton tout le chapitre tout mou là? C'est toi, non? Oh, quel chapitre tout mou de grande qualité! Je me suis trompé à ton sujet. Tu es réellement une curieuse née. Je l'ai su si tôt que je t'ai vu. Sais-tu que les champignons du Toumou se multiplient extrêmement vite, c'est notamment pour ça qu'on en voit autant dans les plaines obsidiennes. Et c'est tant mieux, parce qu'ils sont délicieux, qu'ils soient frits ou bouillis. C'est donc avec grand plaisir que je vais t'enseigner ma méthode de confection d'appât. Passons l'établi du Biovax pour nous mettre au travail.
Et voilà, l'appât-tout-mou dont tous les Pokémon raffolent. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffit de le lancer en direction d'un Pokémon. S'il l'aime, pardon, les champignons, l'appât attirera son attention. Profitant pour les capturer ou pour le fuir. Tiens, je te le donne 5 boules d'appât pour que tu puisses en confectionner d'autres. Utilise les appât-tout-mou pour appâter un maximum de Pokémon à travers la région. Merci. Vous recevez 5 boules d'appât. Appât. Lorsqu'un mélange de cette boule nutritive à de la nourriture, elle dégage un parfum appétissant. Il y a du riz. Je compte sur toi pour rendre mon extraordinaire méthode aussi célèbre qu'elle le mérite. Mission secondaire 6, la commission accomplie les appât-tout-mou avant tout. Appât-tout-mou. Merci. Eh ben voilà. Bon, attendez. Que sache du coup. Appât-tout-mou. Ok. Là, il y a ma petite boîte d'objets. Donc, bon, on va pouvoir ranger les appâts. Hein, donc, on va tout mettre. On va tout déplacer. Non, tout déplacer. Parce que les appâts, pour le moment, ça me sert un peu à rien. Enfin, si, ça me sert, mais vous m'avez compris. Voilà, vous m'avez compris. Par contre, j'aimerais juste les déplacer dans la catégorie appâts. Voilà. Donc ça, c'est tous les appâts. En fait, je devrais mettre un truc appât. Non, ça, la boule de truc, on la met là. La boule qui paralyse. B. Voilà, au moins, on a ça. Par contre, j'aurais dû vraiment les mettre ça ailleurs, en fait. Tout ce qui est appâts, je devrais peut-être les mettre dans, là où il y a Pokéballs. Ouais, en fait, je devrais limite mieux mettre ça dans tout ce qui est Pokéballs, vu que c'est un truc de base pour les Pokémon, mais avec que ça soit les baies et les appâts. Et ça, c'est uniquement pour les matériaux, quoi. Matériaux confection, quoi. Bon, alors, du coup, on va aller là. Avant toute chose, ah non, mais non, ah oui, c'est bon, il est là. J'allais dire quand même. Alors, soit dit, ouais, donc c'était une connerie en fait de monter sur lui. Besoin d'acheter des objets, non. Qu'est-ce que tu me dois, toi? Rien que l'imaginer, c'est blessé. Ok. Toi maintenant, tes recherches ont l'air bien d'avoir bien avancé, merci. Oui, on va faire nos rapports. Je sais que ça fait fascinant, et moment d'actualiser le Pokédex. Oui! Niveau de recherche 9 et 7. Parfait. Et du coup, c'est 40 points. Bah, 2. Bah, 40. Waouh! Oh oui, on avance bien. Oh là là, on est loin du membre 2 étoiles, je vous jure. Que veux-tu faire maintenant? Continuer les recherches. Bien. Bon, bah écoutez. Allez, maintenant, on va pouvoir vraiment s'arrêter là. Pour cet épisode, à mon avis, mon truc, il a despawn. Hein. Il brille pas. Non, il brille pas. Hein. À mon avis, il a despawn. Le truc qui brillait, je suis dégoûté. Ah, j'ai eu un somme qui est immense. Oh, what the fuck? Il y a des écriteaux. Ok. Ah, j'ai un somme immense, quoi. Parce que le truc, il a complètement disparu. Alors, attendez. On va tenter un truc, quand même. Perfect. Je suis un dieu. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir s'arrêter en hauteur. Voilà, nickel. Allez, du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode-là. Les amis, la fois prochaine, on s'attaque, du coup, à une autre partie, tout simplement. Donc, on doit aller à l'arène du Grand Arbre. Donc, c'est là-bas, notre prochain objectif. On ira peut-être chercher, du coup, ces fameux objets perdus, un petit peu, pour savoir ce que c'est. Donc, on ira chercher les sacoches. Alors, je sais pas si on peut leur piquer les trucs ou pas. Ça dépendra de ce que c'est. Mais, évidemment, quand je vais ici et je vois une Super Bowl ou quoi, je pense que vous vous en doutez bien que je piquerai. Ça, c'est une évidence. Mais sinon, bah, c'est pas grave. Ça sera l'inverse, sinon. On ira, si on peut pas les piquer, on ira directement rendre ce qu'il faut. Voilà, donc, ça permettra peut-être d'avoir des trucs un petit peu plus intéressants. À mon avis, l'histoire de la plage, je sais pas où c'est, mais vu qu'il y a de l'eau un peu partout, voilà, à mon avis, ça sera pas très loin. Il faudra quand même explorer hein, de tous les recoins, ça serait le top. Donc on ira, ouais, on tentera d'aller au Rive File, enfin Fieldvent, et tenter de chercher du coup ces objets perdus. J'aimerais bien un petit peu découvrir ce que c'est. Donc voilà, écoutez. Merci en tout cas pour cet épisode 11. Je crois qu'on était vendredi alors où je vous enregistrais cette vidéo. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir une dernière vidéo, voilà, qui arrivera du coup dimanche logiquement. Mais voilà, parce que j'ai envie encore de tourner un peu de ce jeu. Donc voilà. Normalement, du coup, dimanche, vous aurez du coup la prochaine partie, donc l'épisode 12, dans lequel on continuera nos recherches. Donc l'objectif là, tout simplement, est d'arriver, ouais, au moins jusqu'ici. Peut-être au moins déjà. Et d'ailleurs, je pense qu'on découvrira peut-être de nouveaux Pokémon ou quoi. Il y a des chances. Hein, déjà, on peut voir qu'il y a des racailloux, encore une fois. Mais ouais, donc.
On ira voir un petit peu tout ça, ne vous inquiétez pas. Et donc, du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et cette vue est magnifique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!